Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi devenue maintenant la chaîne culte mandréenne, figure et portrait mandréen. Regardez l'émission jusqu'au bout parce que vous êtes des petits malins, il y en a qui zappent dans l'émission, il y en a qui regardent juste un bout puis ils disent « Oh, ça m'ennuie, je vais aller voir au milieu » puis après ils vont à la fin. Non, regardez jusqu'à la fin parce que vous allez avoir une petite surprise à la fin. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle spécialité. Une spécialité thérapeutique d'accompagnement au féminin. Et qui de mieux pour nous en parler que la spécialiste locale, Angélique Ventre. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors, est-ce que tu connais l'émission? Oui, depuis peu. Donc, j'ai regardé tes vidéos, effectivement. Qui as-tu regardé? Sandy Hénard, ma copine. Alors, Sandy Hénard qui est passée sur cette même chaîne et qui, elle également, pratique une thérapie du bien-être. Oui. Ça, je vous invite à revoir si vous avez raté cet épisode. Alors, les questions habituelles. Tu es née où et quelles études as-tu faites? Alors, moi, je suis née à Olioul. J'ai grandi au Castellet. C'est pas très loin. Non. Et j'ai fait des études de gestion et ensuite de tourisme. Donc, rien à voir avec ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, oui. Parle-nous justement un petit peu de ta carrière professionnelle. Alors moi j'ai un parcours vraiment atypique, donc c'est-à-dire que j'ai fait ces études-là, mais j'ai travaillé 12 ans dans l'immobilier, donc non plus rien à voir, par oui, le fruit oui. du hasard. 12 ans dans l'immobilier. Oui. Tu étais en agence ou oui, tu étais en agence. En agence. D'accord. Oui, et j'ai fait une reconversion professionnelle maintenant en 2019. Et j'ai ouvert mon cabinet du coup en 2020, juste avant le premier confinement, en tant que kinésiologue. Oui, et c'est... depuis, mon activité s'est spécialisée, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je propose donc des accompagnements transformateurs au niveau du féminin. Donc, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence, etc. Bien. Moi, les transformateurs, je les connais en électricité. Oui, c'est mais pas je pense la que chose. Quelque part, si, il y a peut-être un petit point commun quand même, hein, de réaligner des énergies, des oui, choses comme ça. Oui, oui. On va donc parler justement de tes spécialités. Donc, le coaching en transformation personnelle. Donc, tu fais des ateliers aussi, je crois. Alors, je fais des ateliers de groupe. J'ai fait une conférence. J'ai fait, je fais pas mal d'événements aussi collectifs, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des massages? Parce que je vois que moi, je suis assis sur la table du patient. Oui. Il y a des massages. Bon, oui, il y a des massages. Bon, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas pour l'instant eu de massage encore, je ne sais pas. Non. Bah, écoute, je te laisse le soin de commencer un petit peu par ce que tu veux pour expliquer tes ateliers, tes conférences et puis cette thérapie d'accompagnement. Oui. Donc en fait, comme je disais, j'ai ouvert en tant que kinésiologue il y a un an et je voyais que j'attirais beaucoup de femmes en quête d'elles-mêmes, voilà, rayonner. Je vais t'interrompre parce que la kinésiologie, pour nos spectateurs, il faut peut-être l'expliquer un peu. Oui. Alors, c'est une thérapie alternative, en fait, qui agit, en fait, sur tous les aspects de l'humain, donc c'est-à-dire sur l'émotionnel, le mental et le physique, parce que, voilà, on n'est pas que un corps. Voilà, donc c'est une approche holistique qui permet de rééquilibrer, de réaligner l'être, en fait, en désamorçant des émotions cristallisées dans le passé qui entravent, du coup, les personnes dans leur chemin par des blocages, par des émotions parasites, etc. D'accord. Et donc, ce coaching maintenant d'accompagnement au féminin, bon, je suppose que tu empruntes évidemment cette technique, si on peut dire. Voilà, en fait, pour c'est ça. Accompagner... J'ai eu plusieurs formations, plus mes propres expériences personnelles, plus ma personne, mon histoire, en fait. Et j'ai créé, du coup, des accompagnements dans lesquels, en fait, j'ai mis tous mes outils, toute ma boîte à outils à l'intérieur, en fait. Et donc, c'est pour ça que la kinésio, je m'en sers dedans. C'est un outil maintenant. Voilà. D'accord. Tu as donc une clientèle essentiellement féminine. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dedans. Tu es spécialisée. Donc, un homme, non, on lui ferme le cabinet. Alors, c'est pas que je ferme la porte aux hommes. Donc, ça, je le précise à chaque fois. En fait, c'est juste que déjà, je suis née dans un genre féminin. Donc, du coup, je peux vraiment... Oui. Accompagner les femmes dans cette reconnexion à elles-mêmes. Et c'est surtout que j'attirais 99% de femmes. Donc, tu es installée en fait. Maintenant à Saint-Mandrier depuis 2 ans, c'est ce que tu nous oui. dis. Tu as une patientèle d'environ combien de patientes? En fait, ça dépend parce que c'est, comme je disais, j'ai fait des suivis au cabinet, j'en fais à 10 ans, je fais des événements aussi à l'extérieur. Donc, en fait, c'est des accompagnements sur plusieurs mois. Donc, je suis des personnes sur... Oui, c'est une thérapie quand une même. Thérapie. Sur, oui, on va en parler un petit peu plus. Oui. Pourquoi tu as choisi ces spécialités En fait, je me suis un peu laissée porter par ce que la vie m'a menée, par mes envies, etc. Donc, après la kinésio, je me suis formée au massage parce que je voyais qu'on me demandait aussi que j'avais quelque chose dans les mains, et que, etc. Donc, je me suis formée au massage. Et ensuite, je me suis formée du coup en...
pour être accompagnatrice en féminin sacré. Donc ça, c'est tout ce qui est le féminin pur. Et en fait, j'ai créé ensuite des accompagnements où je fais du coaching, où je fais des soins olfactifs avec les huiles essentielles. Et toute cette heure de transformation profonde se clôture par une heure de massage. D'accord, donc tu as commencé ici en 2009, mais depuis quand tu as pratiqué cette science, ou je vais dire cette thérapie? Alors, j'ai ouvert le cabinet en 2020. En 2020, kinésiologue. Mais ouais. Avant, quand est-ce que j'ai fait une formation en 2019 en tant que kinésiologue, pour être d'accord. Kinésiologue. Peut-être l'explication de ces diplômes qui figurent. Derrière donc, toi. Tout n'est pas là, mais oui. Comment se prennent les rendez-vous et combien de temps dure une séance? Alors les rendez-vous se prennent, bon, je suis très active sur Instagram, donc souvent c'est sur Instagram, après c'est par téléphone. On va incruster tout ça, hein, le numéro de téléphone, le mail peut-être aussi. Oui, voilà, par mail aussi. Pour les demandes de rendez-vous. Et en fait, la séance donc dure 2 heures, donc 1 heure de coaching intense. Waouh. Oui. Suivi par 1 heure de massage pour l'intégration, pour revenir dans le corps, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Ah bah là, on doit ressortir et ne plus comprendre ce qui est dans la rue. Et en fait, justement, on ressort bah oui, ancré, en fait. Extraordinaire. Voilà, extraordinaire. C'est vraiment complet. Les tarifs, on n'en parle pas sur la chaîne. Surtout qu'il y a plusieurs tarifs en fonction de l'accompagnement et du besoin. Voilà, donc ça... Vous prenez rendez-vous, vous avez le numéro de téléphone qui s'inscrit, vous appelez Angélique. Tu pratiques tous les jours ou il y a des jours le de fermeture? Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, le mercredi, c'est la journée avec mon fils. Avec ton fils. Angélique, quelles sont tes autres passions? J'en ai plein. Alors allons-y, on y va. J'aime tellement de choses que du coup, j'ai du mal des fois à recentrer. À canaliser, voilà. C'est bien pour quelqu'un qui recentre les gens, toi tu ne te recentres pas. Mais si, justement. Alors, c'est pour ça que je mets dans mes activités tout ce que j'aime. Donc j'adore la photo, j'adore la danse, j'adore le surf, j'adore les voyages, j'adore tellement de choses en fait. Donc voilà. Est-ce que tu as le temps de concilier cette vie professionnelle avec ces passions-là? Je prends le temps quand je... La photographie, voilà. Évidemment. Bon, ça me plaît, évidemment. Le surf, bah aussi, on a quand même la mer. Donc, alors, je surfe ici. On n'a pas les grosses vagues. Non, voilà, parce que je n'arrivais pas à passer le cap ici, mais je m'y suis mise parce que ça me manque. Et voilà. Donc, l'eau, la mer. J'avais appris dans le sud-ouest. Ouais. On va passer à des questions plus légères. Oui. Alors attention, parce que je pose une question, il faut répondre très vite et il faut expliquer pourquoi. Oui. T'es prête? Oui. Ça va vite, hein? Oui. Si tu étais une couleur? Le rouge. C'est pas du tout une couleur en plus qui me plaît. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi ça m'a traversé, j'en sais rien. Eh ben voilà. C'est chaud, c'est l'ancrage, c'est la racine. C'est chaud, c'est l'ancrage, c'est le feu, c'est le soleil. Feu, oui. C'est le chakra racine, c'est vraiment les pieds. Une grosse énergie quand même, hein, le rouge, d'accord. Si tu étais un animal? Il m'est venu le léopard. Alors, toujours pareil, on explique pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, c'est... Le léopard. Le côté félin, peut-être, je sais pas. Alors, on nous a dit souvent les chats, mais le léopard, on n'en avait jamais dit. On m'a dit le tigre une fois aussi. Ah oui, mais le léopard, qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi, cet animal? Je sais pas, il a une enveloppe particulière, enfin, les dessins sur sa peau sont particuliers. Je sais pas, il m'est venu cette image, alors... Ah, mais ça vient comme ça. C'est ça. Pas... D'accord, c'est parfait. Je ne peux même pas t'expliquer pourquoi. Hein. Question du tac au tac, c'est exactement ça. Si tu étais un objet? Une bougie. Ah, là, je commence à voir un peu la symbolique. La lumière, la chaleur. C'est ça. Éclairer les autres, peut-être aussi. Éclairer, moi-même d'ailleurs, aussi. Je ne sais pas si on la verra sur le bureau, mais il y a une Et une je bougie. Fais des bougies aussi, que j'offre à mes coachés moi-même. Ah bah c'est intéressant d'en parler. Tu fabriques de la bougie? J'ai fait des bougies, moi, bio et aussi naturelles. Et en fait, mes coachés, je leur offre une bougie faite par mes soins pour les accompagner dans leur transformation. Alors, dernière question de la série des Tac au Tac, si tu étais une musique? Zen. Ah bah, Cindy m'a dit la même chose. Toutes les musiques, je fais du yin yoga et donc toutes ces musiques voilà, qui nous accompagnent. Tu as des recommandations pour des gens qui aimeraient écouter de la musique zen? Après, on est très bien outillés au niveau de Spotify. Enfin, je ne veux pas donner trop de noms, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms. Sur notre chaîne, on y va. Hein, alors, dit tout, donc oui, on a des belles plateformes où on peut trouver tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Musique zen. Les questions traditionnelles de l'émission. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors, ce que j'aime le plus dans ma vie, bon, je dirais mon fils en premier. Mais après, c'est tout à ton honneur. Voilà. Oui. Et les voyages. Je suis une passionnée d'exploration du monde, du monde intérieur aussi. Enfin, voilà. Alors, ça m'invite à la question. Quel pays as-tu déjà visité?
J'ai fait Bali, j'ai fait tout ce qui est le Maghreb, tout ce qui est la Grèce aussi. Voilà, mais Donc, j'avais plein l'Asie, d'autres. le Maghreb, la Grèce. Après, tout ce qui est voilà, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, enfin, l'Allemagne, tout ce qui tourne autour de la France, j'ai fait. Ouais, l'Europe du Sud, C'est ça. l'Europe. Mais il y a tellement de choses Des encore à voyages, voir. des voyages. Et tu as le temps encore de voyager? Ben là, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça a été Ben un oui, peu. Voilà, le dernier que bouleversé. j'ai fait, c'était les îles espagnoles cet été. Mais c'est vrai qu'avec tous ces protocoles, là, j'ai dit, ok, j'adore voyager, mais pas avec tout ça autour. Voilà. Ah ben c'est sûr que c'est un frein, hein, c'est un Donc, frein. j'attends. T'as prévu quoi comme prochain voyage? J'avais envie de Costa Rica. Costa Rica, très bien. Voici ta minute message. Oui. On arrive à la fin de l'émission, ça passe très vite. Donc si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, nos auditeurs, lequel est-ce? Et dans ce cas-là, ben, tu t'adresses droit dans leurs yeux et leurs yeux sont ici. D'accord. Ben en fait, du coup, je m'adresse aux femmes qui sont en quête d'elles-mêmes en ce moment, qui se sentent prisonnières dans une chrysalide et qui ne s'autorisent pas à rayonner pleinement qui elles sont, qu'elles se sentent voilà, bloquées dans leur épanouissement, dans leur rayonnement. Ben voilà, je vous propose des accompagnements vraiment transformateurs où on va aborder tous les thèmes de la femme dans la douceur et dans le cocooning pour vous permettre en fait de vivre cette femme qui est étouffée en vous et qui ne demande qu'une chose aujourd'hui, c'est sa soif de vivre et de briller en fait. Voilà. Comme c'est joliment dit, le cocon d'Angélique, dont les coordonnées sont en train de s'incruster sur votre écran. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous, faites cette expérience, parce que, bon, bah, moi en tant qu'homme, je ne sais pas, mais ça me semble quand même être quelque chose de C'est puissant. sacré puissant Ouais, c'est puissant. et de bien-être. Je vais te remercier énormément, Angélique, Merci à toi. de m'avoir reçu dans ton cabinet, hein, sur la table du patient. Bon, je pense avoir un massage, mais c'est raté. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, j'avais une petite surprise de fin d'émission. En effet, je lance un nouveau concept pour tous les anciens de Saint-Mandrier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'émission était regardée pas uniquement dans Saint-Mandrier, et fort heureusement, mais même dans le monde entier d'ailleurs. Et je lance ce concept pour tous ceux qui ont quitté la presqu'île, qui s'y sentaient bien et qui ont envie de passer un petit message. Donc je passerai chaque semaine un petit message des anciens de Saint-Mandrier. Si vous nous regardez, écoutez bien, je vais vous dire comment il faut faire. Donc en fait, vous envoyez une courte vidéo dédicace de 30 secondes, il hein, ne faut pas que ce soit trop trop long. Alors, vous pouvez envoyer un message à l'intention de quelqu'un ou un message pour l'ensemble des habitants de Saint-Mandrier. Vous enregistrez ça avec votre téléphone dans le format MP4, hein, c'est le format vidéo de tous les téléphones, vous inquiétez pas avec ça. Et vous m'envoyez votre vidéo en pièce jointe à fpm.saintmandrier1@orange.fr. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de s'écrire. Retenez cette adresse, FPM, figure et portrait mandréen, bien évidemment, saintmandrier1@orange.fr. Vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve bien évidemment tous les jeudis, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. 316 au compteur aujourd'hui, vous étiez au niveau des abonnés. Et la semaine prochaine, on va parler de la bibliothèque du village, parce que la bibliothèque revit après tout ce confinement, etc. Il faut savoir que notre hôte va nous inviter à nous parler du fonctionnement de cette bibliothèque. Voilà, ben on s'est tout dit. Merci Angélique Merci à toi. et à jeudi prochain.